Voilà. Vous avez vu le signalement, non? Vous avez vu vous-même le signalement, non? Vous avez vu vous-même le signalement? Quand elle vous dit qu'elle envoie les queues, elle envoie les queues, vous n'envoyez pas les queues. Vous avez vu le signalement, non? Eh, mes chéris. Vous avez vu le signalement, non, mes bébés? C'est comme ça maintenant avec la reine galloise. Je n'ai pas pu faire le direct. Je n'ai pas pu faire mon direct. Maintenant, c'est le signalement. Partagez, 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 envoyez les cœurs. Pourquoi on ne signale plus la reine galloise? Partagez, envoyez les cœurs, la team Asda. Mes gens qui m'aiment bien sur les réseaux sociaux. Partagez, partagez, envoyez les cœurs. Je vous présente mon album photo de 20 ans. De l'âge de 20 ans. Regardez, l'album photo de l'âge de 20 ans. À 22 ans, on va fêter ça ensemble. Vous allez voir la reine galloise avant, l'âge de 20 ans. Là, vous visitez un peu la photo de la reine galloise, comment cette femme était. Vous allez un peu me découvrir. Mon teint naturel, là, quand ça va revenir là. Là, comment je vais être. Partagez le direct, envoyez les cœurs. C'est une première photo de la reine galloise. À 20 ans. Quand on a un petit budget, il faut être assez. 20 years. C'est ça, là, vous voyez bien. Encore faut-il être habile de ses 10 doigts. Enfin, je vais vous faire voir bien. Je vais vous faire bien. Je vais vous faire visiter ça bien. Partagez le direct. Partagez le direct. Mes amours, vous qui étiez là au président en direct, quand on parlait de la bonne photo là, je vais commencer à vous présenter la bonne photo maintenant après. Partagez le direct. Envoyez les cœurs, maman Pélagie Gassa. Non, ne commence pas, ne commence pas. Ne commence pas, pardon, voilà. Envoyez les cœurs. Tu vas t'asseoir ici là. Viens t'asseoir, comme ici là. Voilà, comme ici là. Voilà, ici là, là. Tu vas t'asseoir, tu mets tes pieds comme ça. Voilà. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Ça c'est la première photo de 20 ans de la reine galloise. Regardez bien. On va comme ça. Vous voyez la reine galloise. Oui, c'était en Afrique où je travaillais au restaurant La Cigale. La reine galloise à l'âge de 20 ans. C'est ça là. Voilà. Voilà. On va aller pas à pas. Vous voyez ça, non? Regardez bien. Le pantalon taille basse. Regardez bien l'entrejambe de la fille. Le debout de la fille. Le debout de la fille. La formation de la fille. La formation de la fille. Regardez bien du pied jusqu'à la tête. Le visage. Les yeux revolvés de la fille. Les yeux revolvés qui n'ont jamais changé. Oui. Regardez bien. Nous, on était belles, maman. C'est comment avec toi? Nous, même, on était belles. Balle. Il n'a pas dormi. Il n'a pas dormi assez. Il va seulement déranger. Tu, ma, tu étais, reste. Non, bah, le paquet, je les montre. Que quand elle parle de beauté aujourd'hui, là, quand on dit que la reine galloise est un bon tolo, je suis comme Mango, je suis comme ça. Oh. Sachez que dans la vie, si, le jour nous dort, ben, c'est, le jour se lève, ça se couche encore. Le jour se lève et ça se couche encore. Donc, regardez bien la formation. Regardez bien le. Regardez bien le pantalon aux fesses. Voilà, regardez bien le pantalon. Regardez bien l'entrejambe là. Jusqu'en bas là. Comment la femme est debout. Menzube tu là. Contre maman, tu es debout, maman. Est-ce que j'ai le visage même d'une Camerounaise? Je ne suis même pas d'abord Camerounaise pour commencer. Ça, c'est le visage des Congolaises du Rwanda. C'est le visage des Burundaises. Visage des Éthiopiennes.
Je ne sais pas une Camerounaise ici là. Je suis Camerounaise, maman. Regardez bien. Hein. On a looké. On a looké. Vous ne voyez pas une Soudanaise devant vous. Vous ne voyez pas une Rwandaise devant vous, maman. Vous ne voyez pas je sais pas, une Marocaine devant vous là. On a loupé pas lié. Regardez très bien. Oh, mais tu n'as mon goût à chez moi, c'est bon. Quand les gens parlent souvent de beauté, moi je ris moins. Quand les gens parlent de beauté, je ris. C'est pas parce que l'Europe nous a gâtés. L'Europe nous a, la frustration des hommes en Europe. La dépression en Europe. Accoucher les enfants et ne pas avoir quelqu'un pour prendre soin de vous. La frustration, l'Europe, l'Ongunda, tout ça. Mes chers frères et sœurs, le jour se lève et ça se couche. Voilà, maman Pelaginga, ça, j'ai le visa des Brésiliennes. On me prenait pour la petite fille de la petite soeur de Ronaldo, de Ronaldinho. Oui, on me confondait, on dirait, mais tu es comme Ronaldinho. Je suis comme une Brésilienne, j'étais comme une Brésilienne. Ah oui. On ne connaissait pas vraiment de quelle ethnie je sors. J'embrouillais carrément la tête des Blancs où je travaillais à la Cigale à Bonandjo. J'embrouillais beaucoup de personnes de différentes tribus, ethnies, de pays, tout et tout. On ne connaissait pas vraiment d'où étaient vraiment mes origines. Parce que j'avais le visa de toute l'Afrique. Le visa de toute l'Afrique. Mes chers frères et sœurs, parfois vous voyez des gens parfois debout comme ça avec le corps. Avant de traiter les gens n'importe comment. Sachez que ces personnes étaient mannequins, même plus que vous. Les circonstances de la vie. Non, je ne fais pas camer du tout. Je ne fais pas. Regardez bien le visage. Je ne fais pas camerounaise. Non. Déjà, je ne suis même pas d'abord camerounaise. Regardez bien mon visage. Regardez bien mon visage là. Regardez, on a look. On a look ma visage. Regardez bien le visage de la reine galloise. Ça, c'est mes 20 ans. Ma 20 years old. Voilà mes 20 ans ici. Oui. Oui. Non, parlons vrai. Donc, quand aujourd'hui, les gens nous traitent pour des je ne sais pas quoi. On nous prend déjà, maman, le corps de ça. Le corps, si vous voyez là, dans la vie, l'Europe que nous avons traversée là, la solitude en Europe, la dépression de l'Europe, loneliness, que tu es seul en Europe, tu te fais fracasser par, je ne sais pas, I don't know what to say. Tu te fais côtoyer par n'importe quel brebis égaré. Tu as des gens bizarres qui t'entourent, des vaudous qui sont aux alentours de toi. Tu ne reviens pas dans quelle maison tu entres, où tu sors, où tu vas là. La vie de l'Europe n'est pas facile. Hein. La vie de l'Europe n'est pas facile. Voilà comment, quand je venais en Europe, comment j'étais. Quand j'arrivais en Europe. Voilà, regardez bien. On a look. Properly. Et si tu ne baisses pas encore beaucoup, tu ne baisses pas encore beaucoup, qu'est-ce que tu dis là? Tu es sûr? Are you sure what you are saying? Hein? Non, non, vous rigolez ou quoi? Ouais, prenez ce roman, non? Mais quoi, une pouille de bête, non, maman? Il est pas si où? Ça veut dire que la face est dépassée, mais. Ouais. C'est parce qu'il crie, non? Non, il faut la mener, maman. Il faut la mener, pardon, il va au lit. Il est à l'heure de foutre à la maison quand même. Audrey? Viens l'aider à mettre la face au lit, pardon. Celui de l'IA peut nous foutre. Viens l'aider, c'est plus les enfants de rester maintenant là. Il ne peut pas vous dépasser. Voilà, il ne peut pas vous dépasser. Amenez-le au lit, il va dormir. Oh, il est à sommeil, papa. Nous, on est en Europe, on souffre, on vient encore d'Afrique. Vous êtes là, on souffre avant comment, non? Oh. Amenez le pardon. Si vous voulez encore voir d'autres photos, mettez les cœurs. Si vous voulez voir d'autres photos, mettez les cœurs. On a cinq miracles. Tellement les photos là sont moisies jusqu'à. Aide. Les photos sont moisies, grave.
Regardez ici. Voici la reine galloise sur le vélo. Quand il dit que je pédalais le vélo, beaucoup de gens croient que je mens là. Ah, le vélo, un de mes vélos. Ah, le vélo, non. Pour ces personnes, il dit que je pédalais le vélo. Et que vous croyez que je raconte des histoires. Là, regardez bien. Là, je suis sur le vélo. Oui. Non, donc nous aussi, on a été. Ne venez plus nous dénigrer aujourd'hui, là. Ça. Nous aussi, on a été. Nous avons été. Nous avons été. Oui. Et nous sommes toujours. Nous sommes toujours. C'est que la responsabilité nous demande parfois de garder un peu, de baisser la garde. Vous parlez de la beauté avec la reine galloise. Ibrahim me ressemble beaucoup. Aujourd'hui, on a la beauté du cœur. C'est ça qui est important. Parce qu'on a été belle. On était belle physiquement. Ouais. On était belle physiquement. Regardez. Vous voyez bien. On a réussi. On était belle physiquement. We were so beautiful. On était belle. On a été belle physiquement. Le Jacques, même le. Comme une indienne. Comme une indienne, maman. Voici notre photo. Là, j'avais 19 ans. Ici, j'avais 19 ans. Regardez. Ici, j'avais 19 ans. 19 ans. J'avais dans les 18 ans et demi, 19 ans comme ça ici. Là, c'était au Titanic chez mon grand frère. Là, ici, on est là, restaurant le Titanic chez mon grand frère. Avant de commencer à travailler à la Cigale. Des yeux d'où la date de longtemps, oui. Ça, c'est au Titanic à Bonanjo, chez mon grand frère. Yes, ils ont... ouais, maman Pélagique, yes, ils en voient bien. Oh, Lélé Méni. Tu étais très belle et tu es toujours belle. Oui. Mes chers frères et sœurs, moi j'ai seulement pitié de vous. Hein, parce que si je me mets là, vrai là, ça va, vous allez réfléchir beaucoup sur moi. Hein. Si je me remets encore vrai là. Mais j'ai pas le temps pour ça. J'ai ce qui est plus important que c'est aujourd'hui dans ma vie. On passe à autre chose. On garde la beauté de l'intérieur. Ah ben oui. Maman, si mon commandant là pouvait me revoit, il me reconnaît, il revient dans ma vie, ça va me plaire. Il est maintenant garde présidentiel là-bas à Yaoundé. Et je souffre à Douala comme ça. S'il pouvait même connaître la reine galloise et là est revenu au Cameroun, il m'appelle. Il m'appelle, il ne veut pas dire son nom sur la toile. Hein? Le garde des corps armés de la présidence là-bas à Yaoundé là-bas. Le chef de garde là, des corps armés à Yaoundé là-bas là, me connaît très bien. Il me connaît très bien. S'il pouvait me revenir dans ma vie aujourd'hui là. Non, c'est que ma charité va. C'est lui qui va construire les actions sociales maintenant, vrai. C'est pas la blague. S'il pouvait me revoir. Hein? Oh. On a eu des gens dans la vie, mes chers frères et sœurs. Même les robes nous sont passés là parce que la famille a dit que va. C'est monté et descendu. Ce homme ici là, regardez ici. Là c'était toujours à l'âge de 19 ans. Là, regardez mon teint. Regardez bien le teint ici là. Aïe. Malheureusement, la maman là, c'est vraiment bloqué. La beauté d'elle. Oui. Regardez le teint, regardez. Regardez les yeux des ailes. Regardez bien la beauté indienne. Hein. Parce qu'il y a beauté et beauté. Et il y a beauté et beauté en Afrique. Mais il y a ceux-là qui ont les beautés des Hindous, de l'Asie. J'avais une beauté asiatique. Regardez bien le fond de la reine galloise. Je ressemble à... Je vous ressemble. I don't look like you guys. Parce que l'Inca nous, là, maman. Parce que la vie m'a rendu sérieux, c'est venu aujourd'hui, là. Oh, non, c'est que tu plains pas quoi, moi, maman. Non, mais parlons vrai. Quand j'en ressors ces photos de jeunesse, on voit. On compare les beautés de la jeunesse, là. Oh, non, sort des photos de jeunesse.
C'est pas ce qu'on parle là. Je ne passais pas inaperçu. Je ne passais pas inaperçu. Ça a fait quoi? Qu'est-ce que ça a changé dans ma nature? Qu'est-ce que ça a changé dans ma vie? Mes chers frères et sœurs, ça a changé quoi? La beauté du cœur est plus que tout. Apprenez à être belle à l'intérieur, pas à l'extérieur. Parce qu'on parle de beauté. Des égyptiennes. La reine galloise était à Wos. Et je suis toujours, malgré mes formations aujourd'hui là. Merde. Regardez bien le fond de la reine galloise. Est-ce que ce fond ressemble à un fond comme Brakata? Ça recèle. On appelle ça les beautés légendaires. Celle-là qu'on parle des beautés en Afrique. On dit qu'on te compte parmi les belles personnes, parmi des personnes qui étaient belles. Mais c'était les Miss Kebloum. Voilà, à l'époque, c'est là. C'était avant que je ne parte au séminaire à Limbé. Qu'on m'avait invité au séminaire à Limbé. Non, mais si, parlons, on peut parler en vrai. J'ai le rhume. Donc, je me suis massé avec le glaçon, ça a tout enlevé le rhume qui était bloqué là. Alhamdoulilah, Rabbi Alamin. Avec mon téléphone cellulaire. Mon téléphone cellulaire à l'oreille. Avec mon téléphone cellulaire à l'oreille. J'avais jamais le téléphone cellulaire à l'époque. Il y a beaucoup même qui n'avaient pas de téléphone cellulaire. Il y a beaucoup qui n'avaient pas de téléphone. Regardez ici là. Regardez la pharaonne en personne. La pharaonne en personne. Regardez-vous-même. Regardez-vous-même la pharaonne en personne. Regardez. On a look. Oh. Regardez-vous-même la pharaonne en personne. Le pharaon l'a dit. Parce qu'on parle là, maman. Regardez-vous-même la formation de l'enfant. On a l'eau, non? Est-ce que vous voyez, Mohamed Sherif, salam alaikum, mon frère. Salam alaikum, mon frère Mohamed. Salam alaikum. T'es devenu subitement apoutchou. C'est normal. Je vous dis que c'est normal. C'est les étapes de la vie. Accepter cela qui était belle, devenir apoutchou là, c'est normal. C'est l'étape de la vie. L'Europe n'est pas facile. On a la dépression en Europe. On a tout, l'accouchement et tout là. La vie nous réserve maintenant trop de choses. La vie nous montre autre chose quand on arrive. Ce n'est plus la même chose. On accouche, on n'a pas de famille pour prendre soin de nous. Nous sommes délaissés à nous-mêmes là-bas. On est obligé de traverser des étapes et des étapes pour aussi avoir de la place. Et ça fait partie de la vie. On devient apoutchou. Oui, on devient apoutchou. Non. Ici, alors, tu es belle là. Oh, alaikum salam Samira. Hello Samira, salam alaikum. Salam alaikum Samira, salam alaikum. Non mais attendons un peu. Attendez, come on guys. Alhamdulillah, Rabbi Alamin. Regardez ça. Regardez le corps vous-même, regardez le corps. Ouais. Vous avez vu le ventre quelque part? Vous avez vu le ventre quelque part? Vous voyez le ventre ici là? Regardez le corps, regardez la mannequin debout, regardez la mannequin. Oh, Mito Niaé, tu vas les parler, c'est on comprend les Mito. Watu bonjour, Mito Niaé, watu bonjour. Bon, tu as mangé, mais non, ce n'est plus maintenant, c'est regardez. Regardez une foule, regardez. Regardez. Nous, on mettait à les mèches brésiliennes. On mettait à les mèches brésiliennes à l'époque. C'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à mettre les mèches brésiliennes. Voilà, on mettait à les mèches brésiliennes. Tu étais très bien, ma grande. Non, maman, il faut les laisser. Tu es comme ça. Bah, à quoi, à soi.
Bah, le challenge que j'ai lancé. Et soyez belle comme moi sur vos photos de 20 ans. Ne ressemblez pas au sourire. Il faut être belle comme la reine galloise. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez belle comme moi. Ayez la beauté des pharaons. La beauté égyptienne. Beauté marocaine. Regardez ça. Oui, je suis toujours belle. Je le sais, Samira. Je suis toujours très belle. Mais j'ai plus important dans ma vie aujourd'hui que de prendre soin. Comme on dit que prends soin de toi, prends trop soin de toi, prends soin de toi, prends les bas, prends soin de toi, prends soin de toi. On n'a pas le temps pour le soin de toi là aujourd'hui là. Je peux faire de mon mieux, mais pas que trop prendre soin de moi. J'ai autre chose à faire. La page de la beauté extérieure est tournée. Maintenant, c'est la beauté intérieure qui travaille. À un certain âge, tu tournes la page de la beauté extérieure. Tu ne veux plus faire plaisir aux gens dans l'apparence. Tu dois travailler maintenant le cœur. Pour être une vraie personne intérieurement. Ce que tu veux engager là, le challenge là. Oh, moi, mes chérifs, c'est la personne qui va engager, qui l'engage, non? J'ai bon, tu vois là ça. Il faut bien voir. Regardez bien la reine galloise. Regardez. Même les stars camerounaises là ne sont pas comme moi. Même les petites filles stars camerounaises là, tous ces stars là, les Muriel Blanchot, les Mimio, les tout le monde là, tous ces filles, il n'y a personne qui a la beauté de la reine galloise, personne. Parce que quand j'avais l'âge là, il n'y avait pas les filtres à l'époque. Il n'y avait pas les comme ça, c'était la beauté naturelle, pure, elle est bien. Est-ce que j'ai passé inaperçu dans le Cameroun c'est là? Ah, mais toi. Oh, je parle même beaucoup, mais... Et il n'y avait même pas petit match. J'ai dit, je n'ai pas encore vu une star camerounaise qui avait. Non, j'ai vu une autre, une là. Elle avait un peu. Elle a ma formation quand j'étais jeune. C'est qui là? On l'appelle qui là? Oh, j'ai oublié comment elle chante souvent. C'est une star camerounaise là. Elle a une façon de chanter. On l'appelle qui là? Elle est géante avec les fesses de balle. Elle est formée comme une guitare comme ça, mais j'ai oublié son nom. Aïe là. C'est ça, maman Eugène Bakop. Mes amours, il va aller dormir. L'enfant est en train de déranger jusqu'à le feu sort. Il faut que j'aille me coucher au lit avec lui. Meko, bonne nuit, non? Bonne nuit, mes amours. On va continuer les photos demain, pardon. Pour qu'on les cris de Bradley, non? Les cris de Bradley. Bonne nuit. Oui, mais il faut penser à toi. Le poids n'est pas bien. Nias, moi, ce soir, je suis désolée. À un certain âge de la vie, le poids vient même quand tu ne manges pas. Même si tu fais le régime, ça vient seulement. Il faut seulement maintenir ton poids, le genre que tu ne manges pas trop pour étouffer ton cœur. À l'heure, si là, ce n'est pas moi qui me prends le poids. Le poids qui est sur moi, ce n'est pas la nourriture. C'est le poids qui est sur moi, c'est la tête qui est reposée. C'est la tête qui est reposée qui me donne. Je n'ai pas de soucis. Je n'ai pas un problème. Ce que je voulais réaliser là, je suis en train de réaliser ça. Donc du coup, mon cœur est calme. Je n'ai pas un souci avec quelqu'un. Je ne dois personne. Je suis à l'aise dans mon cœur. Et le poids est là comme ça. Et sachez qu'à un certain âge aussi de la vie, le poids entre quand ton âge avance. Quel qu'en soit le sport que tu vas faire. Mais on a des stars camerounaises qui sont costaudes. Peut-être elles font le sport matin, midi, soir. Mais elles sont toutes, elles ont le poids. Pourquoi elles ne veulent pas maigrir. Il y a des corps qu'à un certain âge, ça commence à prendre seulement le poids. C'est même plus toi qui fais. Malgré tu vas seulement rester sans rien manger, maman. Mais tu veux mourir. Ah non, je ne suis pas des prophètes qui vont aller rester des mois quelque part sans rien manger ou bien des 9 jours de jeûne. Hein. Non. Il y a beaucoup de choses à faire. Les enfants ont besoin de moi, maman, pardon. Je dois quand même manger un petit bout. Bonne nuit la mère des enfants. Dis bonne nuit mes bébés. Danse quelque part de Ben Skin pour nous endormir. Kems pams. Il s'est fait tard, mon bébé. Demain seulement, pardon. Je voulais juste feuilleter mon album de la jeunesse avec vous. Et il y a encore beaucoup de photos à vous montrer. Mais comme je vous dis, c'est fait hier tard. Je dois aller me coucher à côté de mon fils pour qu'il dorme. Quelle heure là-bas chez moi? Chez moi, 18h25. Il est à 23h ici. Presque minuit déjà. Moi, je quitte de 130 kilos à 86 kilos. Nias, moi, ce soir, beaucoup de courage à toi, maman. Tout le monde connaît comment il a fait pour se purger, que la graisse la sort. Pour moi, là, ça sort un peu. Ça sort un peu. Je pars doucement. La fois parce que j'ai forcé le poids de partir. J'ai couru dans une salle de gym. Je suivais mon régime tout là. C'est mon anus qui a failli s'éclater. J'ai souffert du mal d'anus de 2020 à 2019. 2019 jusqu'en 2021.
Mon anus me faisait mal. Personne ne m'a aidé pour soigner mon anus là. Pourtant, je voulais perdre du poids. J'étais en salle de gym. Je courais. C'est le COVID-19 qui est venu me sauver. C'est le COVID-19 qui est venu faire que confinement, tout le monde restait à la maison, que je n'ai plus arrêté de faire le sport. Je pouvais mourir le moment là comme un jeu. Parce que j'avais exagéré le sport. J'avais exagéré le sport, maman. J'étais allé au-delà de ça. À cause, parce que les internautes, ils voulaient faire plaisir aux internautes. Papa, j'ai couru. Vous vous rappelez au moment là, non? Ceux qui étaient connectés au moment là pour m'encourager vont dire que c'est la vérité. J'ai pleuré le mal de l'anus que je ne sais pas pourquoi j'avais seulement cassé mon galeton. Alors non, je ne sais pas ce que j'avais fait ce soir-là, le jour-là que j'ai pédalé le vélo. Je suis allé au-delà de ça. J'ai seulement entendu un clic en bas de moi là-bas. Hey! J'ai eu l'handicap pendant 2 ans. Maman, j'ai guéri de ça. J'ai guéri de ça. Je n'ai plus envie de reprendre encore le Jacques, aller le sport. J'ai réduit mes quantités de manger. La nuit, je ne mange pas. Le matin, je mange après-midi. À partir du matin, je bois l'eau à jeun. L'eau tiède à jeun. Je mange vers 13h. Je mange après, même vers 18h30, 19h, trop tard, je ne mange plus. Merde, il n'y a même plus rien dans mon ventre. Mais maintenant, je vous parle là, j'ai faim. Mais je suis obligé d'aller dormir. Hein? Même maintenant que je vous parle là, j'ai faim. J'ai faim jusqu'à ça. J'ai faim mal. Mon ventre fait doudou dedans. Mais je suis obligé d'aller dormir comme ça. Je vais souvent boire l'eau. Je dors. Oh, bonne nuit mes chéris. Bonne nuit mes amours. La fille à Chacha, elle risto. Bonne nuit mes amours. Bonne nuit. Oui. Les gens qui étaient là le moment là, ces personnes qui me regardaient le moment, qui m'encourageaient pour le sport là, vont dire que c'est la vérité. Vous vous rappelez de mon ami même qui fait le sport avec moi là-bas, qui vous avez dit qu'il était mort là. Le gars qui m'aidait à faire le sport, qui m'entraînait de là-bas tout et tout là, il était décédé, vous vous rappelez. J'ai fait le sport bien même. Il y a des gens, à un moment de la vie, ne force pas le sport sur ton corps. Tu forces le sport sur ton corps, tu cherches la mort. Tu peux tomber comme ça, pas là, un truc t'arrive comme ça là, parce que tu es en train de forcer le sport. On ne force pas le corps. Il faut partir au rythme de ton corps dans la vie. Donc, mes chers frères et sœurs, sur ce, je vais vous laisser. Bonne nuit, mes amours. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est la reine galloise à l'âge de 20 ans. Vous voyez encore. 20 years old. Donc, mes amours, avant de parler beauté, sachez que vous êtes devant une beauté légendaire. C'est de ça qu'il s'agit. Mais la seule différence, c'est que le jour s'élève, ça se couche encore. Et on accepte ce que Dieu nous donne maintenant. Merci. La reine galloise, mets un limon dans ton eau à boire au moins d'un mois du verre. D'un quoi? À boire à moins d'un mois, ouais. Tu verras les résultats. Merci, Mourabet Chérif. Merci, frère. Je vais essayer ça demain, papa. Je vais mettre le monde à mon eau là maintenant. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Marcuit. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, Mohamed. Bonne nuit, Lélène Mini. Bonne nuit à la team Asda qui est d'abord là. La team Asda. Merci infiniment pour le soutien. Merci pour tout, mes chéris. Merci à tous ceux qui viennent seulement de temps en temps, comme ça, me rendre visite sur ma page. Merci à tous mes bienfaiteurs et mes bienfaitrices qui me soutiennent jour et nuit. Merci mes amours, ensemble l'union fait la force. Voilà la reine galloise, la maman des enfants différents de menu, dans son jeune âge. C'est de ça qu'il s'agit. On ne boude pas avec les femmes qui ont été belles pour de vrai. Et la vie, c'est pas la beauté, c'est pas ça la clé de la vie. Jamais. Tu peux être belle comme l'étoile de Noudi même, mais tu passes ta vie comme ça là, comme ça dans le zéro. Il y a ceux qui sont belles là, que Dieu les ouvre, et qui ont que derrière leur beauté, ont des ouvertures de portes. D'autres qui sont belles que dans le vide. D'autres qui sont belles à leur niveau. C'est de ça qu'il s'agit. La beauté est relative. Toutes les femmes sont belles. La beauté est relative. Donc c'est un peu ça, mes chéris. Toutes les femmes sont belles. Et ce qui est plus important, c'est la beauté du cœur qui est plus important que tout. Allez. À bisous. Toi, tu vas me tuer avec les rires que ton anus allait faire quoi. Méline, ouais, mon anus avait éclaté. Ça avait éclaté. C'était déplacé. Mon anus s'était déplacé. Ce n'est pas le mensonge. À cause de l'Internet. À cause parce qu'il voulait faire plaisir aux internautes que mon poids est comme ça là. J'ai commencé à courir bêtement là. Aller à la gym, commencer à faire la gym. Fait. Maintenant, quand j'ai souffert le mal de l'anus, qui était avec moi? Pardon maman, allons, que chacun aille au rythme de son corps. Hein. Arrêtez de forcer les choses pour faire plaisir aux gens dans la vie. Allez, bisous, je vous aime, bye bye.